c'est Aloma Ivy, le nom. C'est une petite plante jusque-là, une plante rampante, mais je vais quand même la propager parce que je tiens vraiment à ce que je ne la perde pas. Je l'avais suspendue ici, dont je suis en train d'aménager mon sous-sol. Je l'avais suspendue, voilà, ici, il y a un an. Et après l'hiver, je me suis rendu compte qu'elle a relativement diminué, sensiblement diminué, hein, de longueur plutôt, hein, les tiges là, et elle avait sensiblement perdu de feuilles. Alors je l'ai mise du côté nord de la maison, donc dehors. Elle a repris, et là c'est l'hiver, donc je viens de, en fait nous sommes pendant l'automne, mais ici chez nous c'est plus que l'hiver parce que on côtoie déjà les températures négatives. Et ça neige de partout. Alors, quand je la mets à l'intérieur, au sous-sol, il n'y a pas assez de lumière, elle se développe, elle tente de réagir. Elle forme ces feuilles-là avec de nouvelles têtes. Elle forme beaucoup de têtes. Et elle tente, je crois, elle tente d'aller chercher la lumière. Voilà. Donc, il y a des feuilles comme ceci. Hein? Et c'est typique, hein, à toutes les plantes du même genre que je mets ici. Elle développe ça. Donc des tiges longues avec des feuilles. Voyez, hein, je sais pas comment vous... Voilà. Je sais pas si vous allez voir bien. Focus, focus, focus. Voilà. Là. Hein. Donc ça tente, ça réagit de cette manière-là. Alors... elle est prête à être propagée. Pourquoi? Parce que déjà sur les tiges, on peut voir des racines autour des nœuds. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça avec une caméra pauvre comme la mienne. Voilà, vous pouvez voir les racines déjà. Donc je peux couper juste ici, hein, entre les deux, et ça va pousser. Donc c'est l'exercice que je vais faire aujourd'hui. Donc, couper ceci, c'est vrai que c'est ça même la beauté, mais je tiens à ne pas perdre cette plante-là. Je vais la multiplier. J'ai déjà préparé un contenant avec le terreau pour plantes d'intérieur. Donc, je vais faire un trou au milieu, là où je vais mettre les racines. Et je vais aller chercher mes paires de ciseaux. Je vais couper. Et je vais multiplier. Donc, voilà, je viens de couper. Voilà. Un. Ou une branche. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Donc, après avoir... Donc, je tente d'avoir 5 plantes. 5 têtes de plantes. 5 têtes. Donc, après avoir fait cela, je vais arracher. Donc là, 2 ou 3 nœuds. Pour libérer 3 nœuds au minimum. Ou 2, ça dépend. Donc, je vais enlever ces feuilles-là. Et là. Et partout là, je vais faire la même chose. Et je vais les mettre au milieu au même moment pour que ça fasse l'effet étoile, quoi. Ça parte dans tous les sens. Donc, c'est l'idée que je recherche. Donc, j'ai fait ce bouquet-là. Et c'est ce bouquet-là que je vais mettre dans mon trou déjà fait. Donc, voilà, je viens de le faire. Comme mon terreau est un peu sec, je vais prendre, je vais l'arroser, et puis je vais mettre là où je mets souvent mes plantes. Nous sommes au sous-sol, souvent mes plantes je les mets là-bas. Vous voyez, là c'est aussi une autre, comment on appelle ça, une autre variété de la plante, Ivy. C'est une autre variété, ça c'est Aloma Ivy, ceci c'est machin Ivy, j'ai oublié.
Je suis en train de propager. Donc, vous voyez, la propagation se fait avec cette lumière-là. Elle est, c'est une petite fenêtre hein, au sous-sol, mais c'est suffisant pour propager. Là aussi, je propage cette autre plante et ça se comporte plutôt bien. Donc voilà, je vais arroser et puis je vais mettre là-bas. Ici aussi, c'est la même chose. Alors, mon sous-sol, il est riche en petites fenêtres, ce qui fait que c'est quand même parmi les sous-sols les mieux éclairés que je connaisse. Donc, je vais aller faire ce que je viens de vous dire et je suis persuadé que ça va marcher. Vous pouvez aussi le faire avec toutes les sortes d'ivy. Hein, et c'est une plante vraiment résistante. Vous voyez, pour propager hein, l'autre variété là, que je vous ai montré tantôt, j'ai coupé les feuilles hein, il y a plus d'une semaine. Mais les feuilles sont encore vertes, vous voyez. Il y a plus d'une semaine. Vous voyez, c'est toujours vert. Donc, c'est une plante qui résiste vraiment et qui est idéale pour la décoration d'intérieur. Donc voilà, vous avez aimé la vidéo, vous me faites savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Bye bye!